est Yomin. C'est Maître Driagan. Et on se retrouve pour une autre random online. Et cette fois-ci, donc, on tombe sur un Masked Man avec Yagula et avec un Sasuke. Ok, d'accord. Donc, on voit ce que ça va donner. Et c'est cool. Depuis qu'on joue, nous n'avons pas eu, comme vous avez vu, de mecs. Ils ont été tous dans le style à ne pas déco. Pas de... Ah, ben, joueur, c'est déconnecté. Bon, ça m'aurait dégoûté. Au pire des cas, de toute façon, quand ça arrive... Si c'est quasi dans le début de la game, bon, si c'est vers la fin, voilà, je vous laisserai quand même, mais c'est dans une début de game, c'est pas intéressant. Bon, allez, on y va, on va voir ce qui, de quoi vaut ce mec. Alors, lui, il a eu un Naruto, Naruto Madara, et Itachi Edo Tensei. Oui, on n'a pas pris le tombeau d'Echi, on a pris carrément le Masked Man avec le Katon. Allez. On est tombé sur une bonne team de salopes, je suis désolé de le dire. À part Yagura, je trouve voilà, qu'on est tombé sur le dernier Sasuke avec le Rinnegan en plus. Le Masked Man, bon, qui, est quand même, qui a pris un nerf, hein. Il faut le dire, il s'est fait nerfer. Moins chiant qu'avant, plus facilement contrable. Parce que c'est vrai qu'il était pas assez équilibré ce champion. Faut vraiment que je parle pas d'équilibrage. Ce shinobi là, ce perso n'était pas équilibré. Et ce qui est sincèrement... Ouh! Yale, Kyubi, Bijou, Tama! Voilà, on a lancé un combo où il s'est pris obligatoirement le bijou d'âme, notre technique ultime. Oh l'enfoiré! Yo les amis! On fait une deuxième vidéo juste après! Oui, on fait une autre vidéo parce que le mec a quitté au bout de 2 minutes, même pas au bout de 2 minutes 40 de la vidéo. Je trouve pas ça vraiment intéressant. Donc on se refait une team, bien tranquillou, et j'espère que cette game sera mieux. Et si la personne abandonne, bon là on se laissera. Ce sera un full vidéo abandon. Mais j'espère qu'il ne le fera pas. Alors, j'ai pas regardé sur quoi on est tombé, j'ai appuyé directement 4 triangles comme ça. Donc on a un Lockley, un Yagula, encore un Yagula, et un Naruto Uzumaki contre un Lockley, Gai Sensei, Neji Yuga. Ok, donc lui, il a une team super bien. Bah, comme le dernier, la dernière fois, celui que j'avais fait juste avant, pas avec Masked Man, mais avec son Itachi et... Itachi et l'autre là... Allez, tu te prends, tu te manges. Rockly, c'est un perso que je ne joue quasi pas. J'ai joué 2-3 fois seulement pour les vidéos online, Ranked Online. Et là, on le tombe sur le Rockly en mode Random Online. Je suis content, franchement. On est tombé sur une team Konoha si on aurait enlevé Yagura. Et ça peut être possible qu'on tombe uniquement sur deux persos si on, avec le deuxième random, ça rechoisit le même perso. Bon, pour l'instant, on l'enchaîne. Pour le moment, tout est bon. Le mec a une bonne connexion. J'ai rien à dire. J'ai pas du tout un seul ressenti de lag pour le moment. C'est très très bon. C'est très très bon pour un match parce qu'avec trop de lag, le match il devient énervant et je vois pas l'utilité de jouer, franchement. Quand, surtout quand les mecs jouent contre toi qui ont, ils ont deux entre 1 et comme j'ai déjà eu plus de 3 secondes de lag, c'est n'importe quoi. Pour l'instant, on l'allume. Pour l'instant, on nous fait chier. J'essaye de bien jouer avec Rockly parce que c'est un perso que j'arrive. Que j'ai un peu de mal... Et tu te prends Yagula dans ta bouche.
Bon, pour le moment, on lui met la misère, hein, on va pas se mentir. Hein. Oula. Ça devient, franchement, ça devient super méchant, là. Ouh, on a bien esquivé son combo. Tiens, dégage. Ouais, on va te faire... on va te laisser ton mode éveil tranquillou. Histoire que tu me profites à me faire des dégâts. Voilà, parce que maintenant tu vas être encore plus faible qu'avant. Tu vas faire moins de dégâts. Comme t'es sous le cible... T'es en faiblesse. Tu faiblesses. T'es faibli en fait. En gros, il est moins puissant qu'avant. À cause qu'il a utilisé un mode éveil. Le combat franchement est très très intéressant. Franchement je suis fier d'affronter un mec comme ça. Pas intéressant du style parce que je le bats hein. Du style franchement qui se défend quand même bien. Il se défend, il est bien, il est sympa. Pour mon niveau à moi franchement je trouve que le match est intéressant. Et j'ai pas un gros niveau de jeu. Et j'espère augmenter bien sûr ce niveau de jeu. Allez. Naluto qui passe pas. On pourrait y mettre la misère en attendant juste un petit peu, en temporisant et mettre le mode éveil. Mais on va pas temporiser, on va foncer carrément dans le tas. On va maintenir ça. Allez, le premier combo complet, je crois qu'on a fait. On en a fait un autre, mais je crois qu'il était assez court, le combo du gauche ou droite. Mais celui-là, il est tellement sympa. On temporise, est-ce qu'il a essayé de nous finir avec des kunai? Ok, bon. Le mec n'a pas envie de jouer normal. Le mec a envie de te terminer avec un kunai. Le mec qui croit pas du tout en lui, et qui a pas les compétences pour... Alors que franchement, voilà, finir avec un kunai, ça fait un petit peu pute. Hein. Non, je suis désolé, ça fait pas... Non, ça fait pas pute. Mais si, ça fait pute. Ça fait méga pute. Tiens, bouffe-toi le Rasengan. On va sortir le Naluto. Ah. Donc, est-ce qu'il va faire ses touches directionnelles maintenant? Allez. Il les a utilisés, c'est bon. Et elle se recharge pas rapidement, on dirait, c'est... Pour l'instant, nous on est avantageux comparé à lui. Hein. On va se laisser prendre les combos. Ok, son mode éveil est déjà fini. On n'a plus qu'à recharger le chakra. Et... Nickel. Ah, il aurait pu m'avoir, hein. Le petit con. Et nickel, c'est bon, on l'a eu. Il y a celui qui nous focus et qu'on émette Yagura. Oh, le combat était super cool. Bon, ben voilà. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt, et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.